avoir trouvé que Paul du 7-1 chez Sébou, qu'il a joué à Bélis via le 65-10-0-0-1, le seul numéro pour permettre de nous jouer, je le rappelle, 65-10-0-0-1. Et vous êtes en direct dans un temps de vous partager avec les essentiels de l'actualité autour de vous, tout en répétant aux principaux podcasts, pas d'information ni d'affirmation gratuite, tout premier intervenant qui va s'installer. 65-10-01-01, c'est parti pour le continuer avec les auditeurs en ligne. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Fidèle, voilà, nous vous écoutons. Voilà, cette situation-là, on dépasse à Paragouji, surtout au Canéo Kilonge, au quartier Bungao, vers le quartier Gala. Vraiment, les autorités prestigieuses agissent. Sinon, c'est grave. On ne peut même plus rester au bord de la voie pour prendre de l'air ou bien pour manger. Et ça nous donne de savon sol. Seulement, seulement. Pour les autorités prestigieuses par rapport à ça. C'est tout là très rapidement. Mais c'est tricolore. On voit que le service technique n'a rien d'autre. Nous mettons tout pour pouvoir régler cette situation. Mais c'est tricolore. Félicitations et bravo à eux. C'est tricolore. On va écouter pour la ville de Paravo. Je vous remercie. Merci d'être passé, quelle que soit la qualité. L'essentiel est passé là-dessus, 65-10-0-0-1. Appelez-nous, notre intervenant de la ligne 65-10-0-0-1. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Monsieur Grégoire, la voix à l'appareil. Nous vous écoutons. D'accord, on a compris, hein, peut-être. Voilà, quelques difficultés pour s'exprimer, le chat dans la gorge, vous venez nous, toujours le 65-10-0-0-1, n'hésitez pas. Notre intervenant au bout de la loi, auditeur à l'ouvrage. Bonjour, monsieur René Sogo, ça merci beaucoup, Jérémy Pépé Kourougira. D'accord, vous vous écoutez. Merci, monsieur René Sogo. Quand il reste à faire, vous en êtes, je demande à notre maire, aujourd'hui, il a, pour nous honorer, promesse en remplaçant les tricolores qui se trouvent à la station douane et Carrefour Bakriwa. Ça c'est très bien. C'est ce que nous demandons depuis et que nous voyons chaque matin ce qui concerne le développement de notre commune. On a besoin de préoccupations très rapides. Nous apprenons aujourd'hui que notre stade est homologué. Moi je demande au chef de l'État de faire la lumière sur cette affaire. Parce qu'on ne peut pas. Plus que de 40 milliards, et qu'aujourd'hui, c'est notre stade de 4 ans, pour nous montrer que nous allons continuer à jouer notre éliminatoire, parce que c'est un état très très malgré tout ce qui. Si cette affaire n'a pas, il n'a pas fait la lumière sur cette affaire, pourquoi il est la population sale, ce qui s'est passé, alors combien de milliards, aujourd'hui on ne peut pas jouer nos matchs. C'est notre installation, vraiment c'est différent pour ce pays. Ce sont 5-10-0-0-1, appelez-nous, c'est le numéro à composer votre intervenant. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré, vous êtes fatigable, rédacteur en chef, c'est le gouvernement de la question de l'année. D'accord, nous vous écoutons. Merci à mes soeurs, beaucoup. Ce qui est là, ce qui est mauvais, c'est pas toi, mais c'est moi, Bantet. Ce qui est mauvais, c'est mon père. C'est sans commentaire. Nous n'allons pas jeter des milliards, des dizaines de milliards dans le feu, alors que les gens méritent tout simplement. Pas tout simplement que les gens se deux morceaux du souffle. Ah, je sais ça. Donc, vraiment, je ne vais pas aller dans les détails. Pour ceux qui sont responsables de cela, pensent à cela et qui ne veulent plus tard. Nous, on n'avait pas l'intention de dire 40 milliards, hein? Oh là là, on va se tuer, c'est nous-mêmes. Alors que j'ai appuyé de nous, je te parle. Au Togo, vraiment j'ai peur. Parce que vous avez peur, le Togo n'est même pas la moitié en superficie. Le Togo est à peine la moitié de la superficie qui venait. Il fait des sanctions. Après, on va avoir des milliers de réfugiés chez nous à s'aimer, repas commun, et repos, etc. Quand je vous parle avec peur, encore il faut que les gens fassent attention et fassent souffrir leur pensée. Et lui, pas dans la Bible, le dit, je le répète.
pour la journée, le premier livre de la Bible, jusqu'à Apocalypse, le dernier livre de la Bible, j'ai lu cela seulement, notamment, au seul passage, vous avez jamais lu, pour vous assurer que vous allez au paradis, soit un seul présent à vie, quand que ce nouveau présent, et quand on a la présence, il sera au paradis. Vous n'avez jamais lu cela. Vous êtes quelqu'un à la Bible, il n'y a pas ma mère, cela, je l'ai lu. Vous êtes à l'heure. Merci d'être passé ce 65 10 00, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, le développement de la ville de Parakou nous interpelle. Et c'est pour ça, chaque matin, nous faisons l'effort de dire ce que nous voyons que ça ne va pas. Il faut que les autorités aussi, qui se donnent pour au moins nous écouter, même s'ils ne peuvent pas faire qu'ils nous éclaircissent, quelles sont les difficultés qu'eux-mêmes ils ont. Mais j'ai l'impression que c'est le silence radio, personne ne veut parler. On a le maire qui ne parle pas, FG, qui est venu, on pensait qu'on a trouvé notre sauveur pour qu'on puisse avoir les informations de notre mairie. Oui. Les conseillers aussi, ils sont restés dans les bottes. Personne ne veut parler. Maintenant, nous ne savons pas. Est-ce qu'il n'y a pas autre réforme pour qu'on puisse donner la force à la population de choisir les propres maires en même temps? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai l'impression que le maire, en parlant, a problème avec ses patrons, bien c'est quoi, il ne veut pas dire quelque chose pour que nous puissions avoir des difficultés dans la ville, bien c'est quoi. Pour que vous l'interpellez, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et vous voyez la voie du cimetière en venant à Saint-Jepitiro, comment c'est dégradé, Alphata a oublié ça. Maintenant, la mairie, même en question, ne peut pas mettre les machines pour arranger ça. Et c'est là qu'on prend pour amener nos dossiers dans les dernières demeures. Regarde la voie du Gouné, où la mairie, en collaboration avec les sécurités, je ne sais même pas de qui il y a ça, en train de ramasser tout le sable pour aller embellir d'autres quartiers et remplir les maisons des autres. Mais ils oublient la voie qu'ils empêchent pour aller ramasser ces sables-là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que nous la puissions dire de cette mairie-là? Je vous remercie. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 00, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Ce sont 5 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est que moi, ça va bien. Nous vous écoutons. Tout à l'heure, vous m'avez coupé. Mais qu'est-ce que vous dites ainsi? Vous avez dit que vous allez nous revenir. Vous dites que vous m'avez coupé. D'accord, laissez-moi aller à la fin de mon développement. Vous n'avez rien développé avant? Vous avez dit que vous nous revenez? Oui, je voulais parler quand vous m'avez coupé. Ah. Et au niveau de la police nationale, là, par rapport, ça ne va pas. Je dis la vérité, ça ne va pas. Le PGPN, le contrôleur de la police à Parakou et à Mekoukoua, ça ne va pas avec le gouvernement sur le sol. Il faut que je prenne le vérité. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, allez-nous. Ce qui ne va pas, c'est soit le côté de l'État, parce que la manière dont ils sont avec la population, ce n'est pas le pouvoir. On dirait que ces policiers sont devenus même enragés contre la population. Moi, qui vais, il n'a pas passé un peu de tout. Il a fallu que j'ai appelé quelqu'un pour qu'il ait été venu avant que nous soyons libérés. D'accord. Pour la jeunesse, là, il ne faut pas parler aux gens. D'accord. Vous avez une autre préoccupation? Une autre préoccupation, c'est quoi? Quand vous comprenez, vous pouvez à côté de vous approcher. Vous avez déjà parlé de ça plusieurs fois, même si vous venez voir ce que vous allez au parti. Il y a ce même, avec des cassures au niveau des pieds. Et juste là, là, ils ont remplacé les pieds. Là. Ils sont incapables de fermer leur travail. Malgré avoir la colère devant la devanture de la façon de nous faire mal. D'accord. Là, on ne vous a pas coupé, hein. C'est terminé. Hein. Et deuxième, parce que l'autre n'était pas compté. Très bonne journée à vous. Ce soir 5 10 00 à cause de ce moment.
produit pour conserver et partager avec vous votre actualité, l'actualité de votre français, votre français, vous qui n'avez pas l'invité, surtout pas appelez-nous, ce soit 5-10-0, auditeur en ligne d'Angers. Bonjour, monsieur René, à Pouvijan de Tibouna derrière École des Sous. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et à des moments donnés, moi je donne raison à notre gouvernement. Parce que si ta vie même n'est pas chère pour toi, ça peut être cher pour l'autre. Parce que lorsque un père de famille décède, c'est-à-dire c'est un poids qui peut être sur la famille. Okay. Donc, je voulais parler du déguerpissement. Ça fait combien de temps, M. René, qu'on a déguerpi, c'est-à-dire les bonnes dames au bord de la voie et les buvettes et autres là. Maintenant, si tu vois, c'est tout comme si ils sont venus avec une force. Et devant les policiers même, à côté de la mairie de Parako, les bâtés, les babas qui vont les cadres là-bas, dans le feu là, ils se sont installés confortablement. Si vous venez un peu devant Pharmacie Albarica, les bons gens qui vont au bord de la voie, ils se sont installés. En tout cas, un peu partout dans la ville, ce qu'on a, on a déplacé, et tous sont revenus encore à leur place. Maintenant, je demande si ils ont eu la chance de fréquenter les garages pour voir ce qui arrête le véhicule qu'on appelle train, puis le véhicule, ce qui arrête le véhicule même là. Si on les a montré que c'est ça qui arrête le véhicule pour ne pas faire accident, ils vont croiser, c'est-à-dire ils vont garder leur tête. Si après, dans notre petit tuyau, qu'est-ce qui est cadré, c'est fini. Les copains en plastique que les Nigériens fabriquent, et ça n'a même pas de confiance. C'est ça qui gâte un gros véhicule comme ça. Donc, si l'homme s'habille, sa vie comme ça, à des moments donnés, moi, c'est-à-dire, ça me touche. Comment on vous a déplacé après maintenant, on va dire que Patrick Talon n'est pas bon, le gouvernement gère mal le pays. Eh bien, ça a besoin d'une nouvelle gestion. On veut te sauver et tu te mets dans un problème pour dire que le gouvernement n'est pas bon. En tout cas, nous, je peux vous revenir, M. René. Et merci pour votre passage. Vous avez la possibilité de nous revenir. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Auditeur à vous, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Moi, c'est monsieur Tancler, tant qu'à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, les amis. Je suis passé à demander à la population de Parakou, est-ce que si son autorité est venue encore pour faire meeting, est-ce que la population de Parakou va t'aider à sortir encore? C'est ça qui m'a arrivé à demander ce matin. Donc, il y a des gens qui demandent une série de vins si on ne fait rien. Mais après, ils vont venir, la population va sortir vraiment. Je veux que la population va sortir, si moi, je vois ça là vraiment, elle fait honte. Voilà. D'accord, merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-0-1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Sogro, c'est ton ami à Kikino. D'accord, Berthe, on vous écoute. Oui, c'est pour comparer mon copain de passer là. On peut soit soir, on est soir, pressé le roi même. On y prenait tout, pas où, on peut prendre par rapport. On prend une carte, parmi eux, on se connaît ici. Même il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose là, c'est mon truc directement à la personne, oui. Donc, comme ça, voici maintenant. Il te parlait pas parce que je ne te pas. Mais dans la je c'est un peu que je viens de tout taper, mais je fais les choses par toi. Bon, c'est une trentaine. Mais c'est bon, il y a quelque chose, on doit être là. Ça veut dire quelque chose, est-ce que la vérité? C'est comme ça, les gens qui sont les enfants. Mais c'est bon, je vous la je ne pas la blague. Et le moment où les enfants ne vont pas le faire. C'est très très compliqué. Maintenant, avec ta pour une moto. Nous sommes dans une semaine pour pouvoir les couches là. Combien de personnes peuvent pour faire ce qu'il faut faire? Qui va faire les gars, bien les coupables, mairie, c'est votre chemin de fer. Nous sommes dans une beaucoup de gens qui ne sont pas la blague. Voilà, là, vous voulez vous enquêter tout ça, et vous allez voir de quoi ils parlent. Mais là, c'est pas facile à voir, c'est déjà ce qu'on fait. Bonne journée. Allez, merci d'être passé ce soir 5-10-0-0. Ce soir 5-10-0-0. C'est le numéro à composer.
pour passer en direct à un autre intervenant. Auditeur ami, bonjour. Oui, bonjour, merci de vous présenter. Allez, Jacques Aroyeron, comment ça va ce matin? Bien. Allez, vous ma préoccupation est un coup. Moi, je ne sais pas. Comme le trans parti dans sa base du salon, nous a posé son mandat pour le coup du regroupement social. Et ce regroupement social, ça va fonder les populations. Il a trouvé la population la parole. Présentement, vous trouvez un seul repas par jour dans le pays calvaire. Or, parce que, avant qu'il ait fait le pouvoir, je me rappelle qu'il est face à face, où je disais les besoins, vous trouvez plus de repas par jour dans le pays calvaire. Présentement, nous vivons au pays, ce qui n'est pas bien. Donc, je vous dis, il va changer, ils vont changer. Leur manière de vous gouverner, c'est changé. Et qui sait que le recouvrement social n'a pas encore atteint le terrain des territoires. Alors, je vais vous faire ma préoccupation par rapport à nos forces de sécurité. Vraiment, ils changent leur comportement. Ils changent leur comportement. Puisque nous sommes là à se compléter. Et chaque fois, leur chef, il est fait de critiquer. Ils font un espoir de grâce à nous. Donc, ils ont capturé la balle à terre et collaborer avec nous. Donc, je vais vous dire. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-0-1. On peut passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. Pour écouter la route de Rio. Oui, mon père Jacques. Oui, que je te dénonce. Il y a quelqu'un qui a dit que oui, il y a un monsieur volontairement. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a aucun cherché. Je cherchais pour que je suis là. Le policier ne veut pas me dire. Hier, à 8h40, je n'ai pas pris ma bouille. Je suis assis. Je n'ai pas le sort. Au jour, je n'ai pas le sort. Je suis sorti. Oui, quelqu'un a garé devant la direction. Pour la mise à jour, il a gardé un moteur sur le gros. Le temps s'est passé, le tir a été, il a mis cela. Quand il a pouvait éviter, il pouvait éviter cela. Et la personne en passant cela, elle a couru, il n'est rien même de ce qui m'a étonné. Il ne sait pas comment il était musulman, il n'est rien. Il est parti, il ne peut pas demander pardon. La police n'est pas venue. Là, je suis seulement populaire. C'est pas 8h40. Je ne suis pas 8h40. Vous connaissez 8h40 à pas. 8h40 à pas. Donc, vous-même aussi, à un moment donné, comme on le dit, on le verre dans le puits, on le puits dans le verre. A tout à l'heure. Allez, merci pour votre deuxième et dernier passage pour le compte de cette journée. Merci de votre fidélité et de plus d'amis. On salue tous vos auditeurs qui nous sont ce matin. N'oubliez pas, vous par un coup aussi. On va pas faire bien, Tchangou, Corée, tous ceux qui le sont bien au-delà et à l'endroit, Frontière 65-10-0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour, votre nom. Amirou Noatier. Amirou, nous vous écoutons. Sur le Jarretien, on a eu quelques grains de pluie. Et puis là, vraiment, ça nous rappelle déjà le calvaire auquel nous serons pour nous par rapport à nos voix. Albarka Kouroubera, Albarka Kibona, Albarka École des Jours. Tout ça deviendra un calvaire total. Je ne sais pas si le gouvernement veut d'abord que nous périssons avant qu'ils ne viennent pour nous sauver. C'est de un. Le second, vous savez que le temps est dit, que les gens sont en train de chercher des alibis pour pouvoir libérer les femmes. Vous montrez que de venir prendre les casques, les gens sont allés là-bas, les femmes ont laissé, au lieu de faire la cuisine à leur mari, elles ont laissé pour aller prendre les casques et à millions de poissons d'avril. Et pour revenir à la maison, trouver la avec leur mari. Très de polémique, merci, bonne journée à vous. 65-10-0-0-1, notre intervenant qui va passer sur la télévision.
Sabater, allô, bonjour. Bonjour René Sabater, c'est Mathieu qui vous écoute à la parole. Allez Auguste, nous vous écoutons. Bonjour monsieur René, nous avons ici le Mardi Sal. On n'a pas vu le président à l'investiture. C'était de Dieu Wi-Fi, hein, l'investiture de Dieu Wi-Fi. Oui. Qui ça lui descendait, non? Oui, le nouveau président, monsieur le journaliste. Vous voulez la descente de Macky Sall? Monsieur le journaliste, j'ai pas vu notre président là-bas, et j'ai vu Nougou. Et moi, le représentant, il s'en fait que la noix, il est vraiment ça, fait mal que notre pays n'est pas représenté. Et tout cela, il vient au Guinée ici. Le gouvernement a parlé de lutte contre la corruption. Et que c'est une réalité. Depuis l'événement du passé salon, on attend des milliards pour l'utiliser, pour profiter, pour aller les îles avec l'argent du contribuable. Vous voyez ce qui s'est passé à Cotonou. Mais il y a Cotonou la fois passée là. Vraiment, les gens du Cotonou ont changé. On vient rire comme changement à Cotonou. Tu vois Cotonou, Cotonou, c'est joli à voir là. Il y a des gravins qui posent de gauche à droite. Et bien, je suis manifesté à aller là. Il n'y a pas fini grand-chose. Des milliards qui ont été investis dans cette zone, hein, là, ou en Guinée là. Aujourd'hui, on dit que le sol là n'est pas apte pour accueillir. Non. On va un boutique. Et on va voir clair, les gens vont voir clair dans la gestion que le président Tara est en train de faire. Il y a des malversations, on nous casse ça, en face, on nous dit autre chose. Tout c'est tout. Alors que la population doit être faite. Pour manger, même chez soi, des problèmes. Ça ne va pas. Bien évidemment, on peut sur notre page Facebook Fraternité FM et vous êtes avec nous en mode live. Laissez-nous vos commentaires. Réagissez également sur la question du jour. C'est sur notre page Facebook, cette question qui vous est proposée ce matin. On parle bien sûr de cette actualité. Pourquoi, malgré les campagnes de sensibilisation, ils ont éradiqué la vindicte populaire? Eh bien, celle-ci persiste toujours. Réagissez. On en parle tout à l'heure à partir de 8h65, 10h11, on dit qu'on dit bonjour. Oui, d'accord, merci, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. Concernant les routes là, si le maire ne commence pas vite là, on ne va pas aller. C'est pas bon, portons les casques pour notre bien. Parce que moi, je ne comprends pas ce que nous faisons. Avec notre pauvre vie, c'est pas bon, on n'est pas bien de nous passer. Regardez, nous avons les animaux, c'est tout à paracours. C'est la facile à se passer. C'est pas bon, c'est aussi, monsieur, pour que on puisse voir que les gens ne se sentent pas. Nous, on a aussi pour nous, on a changé aussi. On est venu à le carré. Merci. 65 10 0 0, appelez-nous pour partager votre choix. 65 10 0 0, notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René, c'est ma carte, c'est le 5e jour. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, le maire de la ville de Parapo, nous ne savons pas ce qui ne va pas, monsieur le journaliste. Les quartiers vraiment sont déboussolés, surtout les quartiers les plus un peu reculés de la ville, là. On n'a pas l'eau, l'électricité, la voie. Vous voyez, souvent on souffle le calvaire. Si vous prenez entre Umbira et Albanka, depuis qu'on est en train de crier, il faut que le maire même prenne son véhicule, n'a qu'à aller là, voir ce qui se passe là. C'est le danger qui guette les enfants qui vont à l'école, surtout les enfants qui vont au collège Albanka. Ça ne va pas. Ils vont passer par où pour aller à l'école.
nous payons du pour rien de au moins de sable pour remplir l'endroit là. Vraiment, ça ne va pas. La ville de Farakou là est. Je ne sais pas si c'est l'arrivée des insos là font de bonnes choses aux communes là. Je ne sais pas. Et au moins, nos collègues sont en train de se déplacer à nous voir ce qui se passe là. Et à chaque fois, nous créons tout le monde crée pour cette voie là. Et les gens ne veulent pas nous comprendre. Ça ne va pas. Je m'arrête à monsieur le journal d'Adéabouine. Voilà, merci. Ce sont 5 10 0 0 à votre intervention. Bonjour, monsieur le journaliste. 5 2 à 5 à l'appareil depuis Togolomi. D'accord. Monsieur le journaliste, votre préoccupation, la première, c'est le trésor ou bien la recette de poids. Je ne sais pas, mais pour aller prendre une puissance, il faut passer des jours avant de prendre tout ça. C'est une crise pour la relation du président de ne pas s'en tout. Si vous allez à 8h, vous allez rester en rang juste à un moment donné où c'est un peu la peine de vous servir. Si c'est là, je ne comprends pas. Même chose au CELCAM, même pour aller faire un dépôt de fin de France ou à Pâques, c'est toute la journée. Ils n'ont qu'à voir leur manière de travailler là, sinon ce n'est pas bon. Je viens aussi à propos, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, c'est une minute de partie. Les voix, c'est-à-dire cette année, on n'aura plus encore les voix. Hein. Ça là, c'est bien assuré. Parce que la pluie est bien là. Et bien, ils vont travailler quand il faut que la pluie encore vienne partir. Je vous verrai à votre ville là. Il y a des plus par là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si jamais il y a encore plus cette année, il faut couper du reste de la ville. Ce n'est pas bon. Allez, merci. Ce sont 5 10 0 0 1. C'est le numéro à proposer, à tous les pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 0 1. Du Père Louis, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. À tous les gens de Tibonat de retour. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et monsieur René, franchement, moi, je me demande souvent. À un moment donné, si nous répétons les mêmes choses, bien, si nous demandons les mêmes choses, est-ce que c'est ouais, de nos autorités ou bien, je n'ai pas compris. Parce que ça fait des années, j'ai bien, qu'on est en train de créer la voie de Spirugera Albaïka. La voie derrière l'école de Fichu, derrière le commissariat, en allant vers le Goudron. Maintenant, on peut partir dans la ville. Les bons qui sont dégradés, avant on avait une seule machine de bon comme ça. Et on ne créait pas comme ça. Hein? Ceux qui étaient là, disaient maintenant, lorsqu'on a plusieurs machines dans la ville, en ce temps, notre souffrance est devenue énorme. Vraiment, on a de moi donné ça vous décourage. Parce que la voie du Pérouvera va rester comme ça, jusqu'à ce qu'on va rentrer dans ce pays, ça fait honte. C'est très honteux. Si les autorités de la ville sont à l'écoute, ils n'ont qu'à chercher une solution au moins pour remplir les trous, les trucs qui sont sur cette voie-là pour pouvoir faciliter la tâche aux usagers, pour casser les vraiment. Sinon, ça ne va pas du tout. La ville est déprogrammée complètement. Nous craignons. Et rien ne change. Vous êtes René. À demain. Allez, merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. On va marquer la pause. On se retrouve juste après pour cette semaine de débat. Merci pour vos nombreux coutumes. Aujourd'hui, je fais votre anniversaire. Oui. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Paris. Oh, c'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Et si c'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours, c'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès, et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5.
Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. De l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand directeur de l'information, plus rien ne vous échappe. Savoir sur les enjeux économiques actuels, au plan local, national et international, la réalité du moment, sur le marché ou encore les tendances de prix, retrouvez tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde Loco du grand direct de l'information. Avec Monde Loco, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde Loco, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Le grand direct de l'information, ce matin, on replace une débat avec Raoul, Steve Boulocon et Jacques Bébé. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est une information qui a suscité plusieurs réactions hier. Un jeune homme qui ôte la vie à son père, ensuite tué également par la population. Le prochain avoir violé aussi sa soeur. C'est une grande histoire, bien évidemment. Ces derniers jours qui font froid dans le dos. C'est là qui se déroule à Paracou, juste à côté de nous. Oui, selon nos informations, bien ce jeune homme et celui qui a perdu la vie dans ces circonstances aussi tristes. Jacques Bébé, vous étiez sur le terrain, étant jeune homme concret, bien sûr, comme quelqu'un qui s'abonne vraiment à la prison de stupéfiants. C'est vraiment de toute sa vie. C'est l'exemple, le tout premier exemple qu'il faut tirer de précédent. Oui, c'est une tragédie, hein, tout simplement, René, effectivement. Selon les recoupements, les informations que nous avons pu avoir sur le terrain, ce jeune, la vingtaine, serait habitué à la consommation de produits psychotropes, à la drogue, donc cela a détruit sa vie, il souffre de troubles mentaux, il s'en prend régulièrement à ses parents, parce qu'il n'était pas à son plus de coup, en fait. Selon les propos du chef du Katitia, que vous allez d'ailleurs suivre encore dans le bulletin de l'information, il avait déjà attaqué son papa il y a 2 ans, et ce dernier a conduit chez le chef Kati, il a amené le commissariat, il a été gardé pendant quelques jours. Le commissariat a souhaité qu'on aille le traiter. Il a une maman togolaise, donc il a des origines togolaises. On l'a amené au Togo pour le traitement. Et il s'est échappé encore là-bas, il est revenu ici à pied. Vous imaginez la distance. Il est revenu à pied et puis bon, c'est toujours la même situation. On va renvoyer tout le monde de la famille. Le papa a été obligé d'aller louer ailleurs. Ce mardi matin, il a décidé de venir voir l'état de santé de son enfant. Après tout, c'est son enfant, il ne peut pas l'abandonner. Il est venu constater, voir comment il se portait. Et c'est là où l'enfant s'est pris à son papa. Le coup de bâton, personne n'était à côté. Le coup du papa n'a pas pu arrêter rapidement le voisin. Il a arraché la vie à son papa. La population a constaté les dégâts et malheureusement, il y a eu la vindicte populaire qui a suivi après deux. C'est une demi-mètre, donc deux morts. Au final, c'est bien dommageable.
J'espère que pour la famille. Oui, une très grosse fête, deux grosses fêtes même pour la famille, le papa et donc et l'enfant aussi également. Je crois quand même qu'on a souvent peut-être de ces cas dans nos familles, des personnes qui sont mentalement, qui ne sont pas trop bien portées mentalement et qui posent des actes, et qui ont des comportements assez bizarres, un peu dangereux. On n'y prend souvent pas trop garde. Et puis le drame ensuite du jour en lendemain, c'est bien dommage ce qui s'est passé. Ils ont enterré deux personnes hier. Et ils se sont bien réveillés quand même, ce mardi matin. Alors, ça pose un véritable problème, ce qui se passe dans la société. On doit bien banaliser. On avait rencontré l'ancien recteur, professeur Prosper Bernardo. Il avait déclaré, nous sommes tous malades. Oui, nous sommes tous malades. Mais à divers degrés. Mentalement, à divers degrés. Mais quel type de drogue ou de stupéfiant pourrait vous dérégler autant? Tu sais ce que vous en prenez avec toi? Je pense que c'est des personnes qui en abusent. D'abord, la consommation de ces gens, il y a une certaine dépendance et vous en arrivez à un certain moment à être malade complètement. De sorte que vous ne parviez pas à vous maîtriser. Et je crois que c'est le cas qui est arrivé, et ce qui a conduit à ce pari-ci. C'est regrettable. Vous voyez, un homme bien portant ne peut pas, de son propre chef, aller donner la mort à celui-là qui lui a donné la vie. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, maintenant, il y a aussi que mon papa ne s'était pas peut-être rendu compte. Il a pris un bon risque. Il a pris un risque. Un gros risque, bien entendu, et il ne s'est pas rendu compte que l'enfant était assez malade. Et l'enfant qui le renvoie de la maison déjà, ouais. Et quand on met tout ça ensemble, ça dit que aller rendre visite à un enfant comme ça, c'est assez risqué. Et il a pris le risque, malheureusement, et cela lui a coûté la vie. Moi, je pense que la leçon à tirer dans ce cas, c'est que lorsque vous avez ces genres de cas, c'est qu'il faut s'en méfier. Il faut s'assurer d'abord de toutes les garanties. Il faut s'assurer que cette personne soit soignée. D'accord. Si la personne n'est pas soignée, ça veut dire que vous êtes toujours exposé. Et donc, pour celui-là, encore qu'il vivait seul, il n'y a pas un contrôle. Il dit que bon, il a continué à consommer les produits. C'est stupéfiant. Que faire aujourd'hui? C'est stupéfiant qui pullule au coin de rue et des jeunes qui en consomment en vrac. Que faire? L'État a une grande responsabilité. Les élus locaux, les parents ne doivent plus donc prendre à la légère l'éducation. Il faut peut-être décourager le phénomène dès le premier constat, très tôt et avec une méthode vraiment forte. Oui, et nous avons, vous savez, notre société est en crise, hein, et ça, c'est, on n'a plus totalement la maîtrise de la situation. Et ça, on a ne cesse de le dire, et beaucoup de sociologues sont en train de réfléchir à la situation. Il faut une thérapie de choc, et ça passe aussi par, disons, le chômage de masse que nous avons, et l'État ne parvient pas à maîtriser tout ceci. Je ne dis pas, ce n'est pas une raison. Et si vous avez... Vous n'avez pas un emploi, cela ne va pas vous pousser à commettre des impairs et à commencer par consommer des stupéfiants. Mais c'est faux. Et donc je pense qu'il faut rééduquer la jeunesse. Et il faut expliquer à la jeunesse que ça ne sert à rien de consommer des stupéfiants. On peut arriver sans consommer ces stupéfiants. Et aujourd'hui, c'est un peu comme... c'est pratiquement devenu la règle. Vous voyez, quand vous prenez un peu les arrestations qu'on a connues jusqu'ici, c'est des gens qui consomment du champ indien. Vous voyez, chaque fois quand la police fait des arrestations, mais on attend toujours ça. D'accord. Et ça doit en tout cas nous interpeller. Mais il faut dénoncer, il faut aider la police à nettoyer notre ville. Jacques Guigui, il n'était pas le seul maître hier. Franchement, on a toujours demandé aux gens de savoir raison garder. Voilà, même c'est un malade, il a été abattu, peut-être qu'on aurait pu l'étudier, avoir d'autres informations et savoir comment se comporter dans ces cas. C'est comme le même chien qui meurt
le passager ou son propriétaire il a la rage, on demande de ne pas tuer le chien. Moi je pense, je pense parce qu'il faut mener des études, parce qu'il faut écouter, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Maintenant on le tue. Certaines des populations se disent qu'elles même sont exposées. Mais je dis le problème. Mais ce dernier avait été maîtrisé. Il avait été maîtrisé. Il avait été maîtrisé. Il fallait juste prendre les mesures idoines plutôt que de le tuer. Hier, après ma descente sur le terrain, j'essayais de comprendre ces cas de parricide. C'est pas pour la première fois dans le monde, il y a des cas de parricide. Et je suis tombé sur un article en France où un enfant comme ça aussi avait déjà tué son papa. Il souffrait de troubles mentaux. Vous savez là-bas ce qui s'est passé? On ne l'a pas tué, on ne l'a même pas condamné. On a considéré qu'il est malade. Et puis on a commencé par lui trouver des traitements. Vous imaginez la mentalité là-bas. Il n'a même pas eu de vindicte populaire. On l'a traduit en justice et les avocats, les juges se sont rendus compte que lui, là, c'est malade. Même si on le condamne, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc il faut lui trouver un traitement. Mais ici, on s'est livré à la vindicte populaire parce qu'on trouvait qu'il est violent, qu'il va. Le tube de masse n'est puni par la loi. Dans ce cas, je crois qu'il y a des centres qui ont pris en charge aujourd'hui. Hein. Il y a eu même une opération de campagne par le passé où le ministère des Affaires sociales. Mais pourquoi nous avons une société violente, quelle que soit la situation, même si c'est un petit cas de vol, on veut en finir tout de suite avec. Normalement, je devrais être traduit devant la justice. Quelle est cette population qui manque autant de patience? Ça ne s'explique pas. En tout cas, moi, j'ai du mal à comprendre cela. C'est peut-être notre niveau, c'est peut-être nous la réalité sociologique. Nous parlons des gens qui nous écoutent, nous parlons des gens qui sont parmi nous, des gens avec qui vous riez, mais pour rien du tout. Ah oui, ils sont divers. Vous allez tout à l'heure le méconnaître, vous allez donc vous demander si c'est la même personne avec qui vous mangez tout le temps ou riez tout le temps. Donc c'est pas, ce sont nos réalités sociologiques, on a donné tout le temps dans cette société un peu violente. Malgré tout, la police devrait ouvrir une enquête. Normalement, la police devra ouvrir une enquête, mais vous savez comment ça se passe chez nous, ça risque de ne pas avoir une suite favorable. Et bon, ça s'arrête là. Je vous ai dit donc qu'il faut continuer la sensibilisation, il faut qu'on puisse organiser des campagnes pour dire la vindicte populaire n'est pas une bonne chose. Parce que ça se répète trop ces dernières années dans notre pays, où on voit on s'attaque à telle personne, même parfois à trop d'élèves. Il y a un policier qui est échappé, souvenez-vous, de justice à la mort. Si les forces de l'ordre elles-mêmes peuvent subir les vignes populaires, un citoyen, c'est plus facile. Pour rien du tout. Vous tombez dans rien. Non, je pense, comme il a dit, la sensibilisation doit se poursuivre. Et chacun doit savoir qu'on ne doit pas donner la mort à l'autre. S'il y a une difficulté, je crois qu'il y a des voies de recours. Il suffit d'informer le chef du quartier, d'informer la police et on prend les dispositions qui s'imposent. La société est organisée. La société est organisée. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais vous ne finirez pas comprendre pourquoi il faut agir ainsi. Parce que si vous êtes dans le cas, peut-être que vous êtes innocent. Les gens peuvent finir avec vous de cette façon. Il faut décourager la vindicte populaire. Ce n'est pas une bonne chose. L'État est là et peut s'en occuper. Merci à vous, Raoul Sylvain. Merci à vous, Jacques Lémy. On va faire place au bulletin.